Là, j'ai dénoncé l'adversaire à l'avance, l'adversaire qui veut venir parce qu'il sait que c'est Messi, l'adversaire qui veut venir, et en fait, c'est le faux Messi qui veut venir, et il est touché lui-même par la fausse identité. C'est aujourd'hui, on n'a jamais entendu ça auparavant, c'est une fausse direction, un faux gars qui veut en fait protéger en fait les rappels, il veut protéger les rappels et il dit que c'est un faux Messie. Il dit que c'est un faux Messie. Là, on dit que c'est roi, c'est Mohamed, l'ancien. Faut pas le faire. C'est la publicité seulement, la publicité. C'est une force normalement de relire. Maintenant, les peuples doivent s'aligner et doivent aussi concevoir quelle est leur prochaine protection, et il faut en fait sauver le plus grand nombre de la fin du choix de la réalité, et on a dans le corps l'ultime pensée de nous restaurer le corps. Et en fait, c'est ça la réalité du peuple, c'est de restaurer son chef et la soumission et la grande lumière de l'amitié entre les peuples. Le rôle de notre cœur est d'avoir le sentier du destin. Le Père est en fait le parti et il est aussi la pensée qui nous vient de la maison, qui refonde notre chemin le long de notre destination. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit les sciences et nous avons redit la paix à la dernière communauté. Et lors de la dernière connaissance, nous avons rétabli le peuple et nous avons redonné la vérité à la mère du parti. Le corps est en effet le reproducteur du monde, le reproducteur du monde, le serviteur d'Allah est la clé dans le monde du parti et de la réalité du Père. Le Père sans idée a attendu, vous êtes maintenant pour savoir quel est le sentier à choisir pour résoudre notre peuple, à reprendre sa dernière estime du gouvernement de la nouvelle union du prophète avec les anciens de la communauté, et pour la dernière connaissance de la bien guidée fondation, le retour vers notre justice et la certitude de l'envoi de notre règne dans le monde et au-delà, dans les promesses qui ont été refaites par l'essence de notre connaissance, à la venue de notre protection nouvelle du créateur de la Billa del Mehdi, la Billa del Mehdi, la Billa des croyants, la Billa des inspirés, la Billa des connaissances du monde qui nous fait donner plus de choix à la venue de la nouvelle lune et du soleil rassemblés de la Oumma. Le temps de notre promesse, nous avons protégé notre monde de l'essor de la nouvelle religion et aussi du nouveau guide de l'appel, l'appel à la souveraine alliance. Aujourd'hui, nous félicitons notre communauté, la grande alliance vers le dernier joyau de l'islam, la rencontre avec
les ordres de la dernière libération du croyant dans la cité de la riche conquête du peuple, le retour vers l'illimité connu. Le sentiment de notre peuple et l'appel pour la Palestine, l'appel pour la victoire, l'appel pour la fin du temps, de la maison du Salem. C'est le Salem maintenant plus longtemps, parce qu'il a été accompli sur la dernière communauté, le retour vers le public pour l'instant des Zumma. Le sentiment de notre peuple est d'éclairer sur le chemin la voie de la Mecque et le retour vers notre ancienne rencontre avec les peuples et leur destin, le choix de nous faire connaître la publication de la maison et de son royaume, la claire idée dans notre venue du peuple, le sentier que nous faisons et le sentier de la dernière connaissance. Nous rétablissons la communauté dans l'entière réponse pour le messager de l'ordre et la façon de régler la direction du premier protecteur de la fin des jours, le sens de notre guidé et le musulman dans la fin des temps, le moyen de régler l'apparition de la fin des jours et le père de l'envoyé du retour. Vise la communauté pour savoir quel est notre état dans la libération du retour à la vérité, aux croyances qui vont exister, au cœur qui va justifier le monde et à nouveau le Seigneur d'avoir établi le parti et la règle sur la dernière succession. Quel est le père qui t'a pas tout dit? C'est un moyen que tu fais. Est-ce que cela suffit à avoir les clés du royaume de la vie, d'après le code du peuple, d'être les estimes aussi le grand riche dans la façon d'estimer l'espoir de notre nouvelle communauté? Est-ce que tu as idée que c'est le grand Messie qui te dit la leçon de l'envoyé du bien guidé, le rôle de ce messager, d'avoir ta vie peut-être, de reconnaître quelle est la leçon derrière le voile de ces cœurs, d'être enseigné par la publicité peut-être, d'avoir aussi connu quelle était l'âme qui va te retourner le dernier compagnon au temps où tu n'es pas exactement ce que tu crois être de la Syrie. En vérité, la Syrie est une plaine pour les anciens, est une résistance pour le clan de la dernière communauté. Vis ta vie comme si c'était le dernier jour des peuples. La cerise sur le gâteau, c'est pas un quartier, c'est une grande venue, la dernière alliance avec le père sentimental de l'Oumma. Le retour vers ta connaissance est en fait la science qui est prédite du parti qui mène à l'effort. Les grandes histoires viennent de la publication du dernier sourceur de la rencontre. Vis ta vie comme si tu n'avais pas un seul verset
de la plupart de ses biens guidés, le fils de Marie. Le fils ensuite de Mahdi. Le rôle de la liberté est d'avoir le sentiment de tes clés dans le futur, avoir le père dans ton monde où tu vis, après le compagnon, la connaissance et la vie alors qui vient émerveiller les jeûneurs pleins d'espoir à la maison et sur la plaine des prophètes, le dernier cœur qui vit sur la montagne, la libération du Messie, le rang de la dernière communauté de Abi Muntadhar, le rôle de la cité est d'éclairer le monde, d'avoir la science après la promesse, de retourner à la connaissance une fois ta vie remise dans le droit chemin. Des questions du peuple visent ta vie à la mémoire de nos pères et le retour de notre historique réalité du califat. Notre force est de redonner l'esprit après la venue de l'Esprit Saint. C'est l'ancien qui prophétisait toute cette connaissance qui devait retourner à la mère du parti, à la mère de la religion en Syrie et au-delà dans la religion créée de l'ordre et de la guidée pour le peuple à la rencontre du Messie. Voilà, mettez-vous en rang à la maison, dominez le temps où il y avait des épreuves qui n'ont pas cessé de vous remettre en question sur le peuple. La cerise sur le gâteau, tu n'as jamais vu ça de ta vie, ce sont plein de partisans, plein de retours qui se font dans le même temps. Nous étudions pourquoi nous avions une réalité plus importante que celle qui était annoncée. C'est en fait autour de ce qui se passe actuellement. C'est dans l'islam, on a en fait une sorte de refondation du croyant. C'est le croyant est en train d'être en fait refondateur du parti et de la dernière connaissance. Et il est en train de tout réhabiliter. Voilà, il réhabilite tout. Ça, c'est pour le retour, la réhabilitation de tout. Et en fait, dans la maison, il est en train d'ajuster. Depuis les sabbats, il est en train d'ajuster toutes les connaissances pour qu'elles forment en fait une sainte libération du royaume. Et le royaume est en train de se libérer. Il est sur la voie de la bonne idée. De là, ilaha illallah, Mohammed Rasulallah. On est en train d'éviter pour l'instant le pire, savoir qu'en fait on fait la connaissance pour ce qui vient du bien pour le peuple, et ce qui vient du bien pour le peuple est notre nouvelle communauté, et c'est ça que nous tendons comme la lumière maintenant sur la création. Nous voulons en fait étudier tout, tout de fond en comble, même les petits traits de la nouvelle succession. Le revêtu d'un manteau, le Muntadhir, Al-Muntadhir, Mohammed, Al-Muntadhar, le verset du Dars, de la loi, la conséquence de tes actions. Aujourd'hui, tu rends compte que ce n'est pas juste ta liberté. Et ta liberté exaspérée dans l'état, ce n'est pas juste. Si je ne t'ai pas dit pourquoi, ce n'est pas une seule voie pour le jugement. C'est en effet la justice qui nous réunit, c'est la justice qui est notre histoire. Mais tu n'as pas deviné quel était le bien à la clé du justicier de la dernière époque. C'est dans le peuple les derniers partis pour la succession, le succès
de la dernière orientation du message. Le Fils qui a les clés est sur le droit chemin de la destination du roi. Le sentiment de tes histoires, d'avoir la pensée vers la plus grande époque du savoir, le temps de la réalisation du corps, le corps qui est une guidée pour l'ascension du temps de la miséricorde et le dernier jour du clément, partie de la souveraine alliance, le sens de donner l'axe à la direction de mener à la dernière illumination de la loi du peuple, le califat, et sur le droit chemin et sur le temps de la maison, le dernier corps à mener à la bénédiction, le retour et la fin des moyens du jeûne, l'héritier du savoir et le sens du compagnon de l'imam. Aujourd'hui, compagnon, vous êtes sur la direction de la montée du créateur de la royauté. Le sens de la création, c'est d'avoir les bénédictions et les miséricordes sur la venue du dernier sentier de notre islam et du dernier souverain de votre communauté. La libération du retour, la grande évidence du parti de mon ami pour la connaissance. Votre résistance est aujourd'hui ce qui compte concernant l'islam qui vient à droite de la maison du temps de l'éternel, le retour vers la solution de toutes les consciences qui redonnent la vérité une fois la mise en place de notre trône, le trône sur l'arche, l'arche de l'Alliance, le responsable de toutes les connaissances et de toute la solution dans la restauration du cycle. Vient la promesse de retourner notre savoir dans le Père et la bonne idée du musulman qui sait se montrer où est la venue de la riche communauté qui va être la position nouvelle du peuple et aussi la connaissance sur toutes les voies qui mèneront le règne à habiter. Les ignorants auront le bec cloué. Les ignorants, par contre, qu'ils ont voulu se réformer, deviendront intelligents. Ils deviendront intelligents. La communauté de l'au-delà et la vision du sage qui conquérit dans le monde les états de la dernière communauté. Vous n'avez pas vu ça depuis longtemps. C'est une estime que le roi veut vous donner. L'estime de la grande souveraineté, c'est le sentiment que vous avez actuellement de l'alliance. C'est sur la pérennité de l'espoir. Avoir aussi la venue en Palestine de notre dernier peuple. Le peuple qui mène à la religion, toute la religion. C'est le corps sur la faveur d'Allah, des envoyés. C'est le grand roi de l'islam qui vous a fait redire pourquoi la maison avait besoin de son prometteur. Le prometteur de la maison est le mouvement vers la dernière réalité. Le peuple qui t'en souvient,
de ces façons de guider la pensée vers le dernier jour, le temps de la dernière orientation du peuple, la guider pour nous tous, le sentiment que tu as sur le sens de la royauté et la victoire de nos communautés qui viennent au dernier imam. Avec notre volonté, nous renforcerons les bannières, nous mènerons à la conquête sur la terre du souverain de l'Isloire. Nous connaîtrons le peuple à la justice, de l'espoir. Nous viendrons connaître quelle est la quantité du bien dans la religion. Nous conduirons aux sources de la vie. Nous mènerons à la justice l'équitable jugement. La communauté de l'au-delà et la vision du sage qui conquérit dans le monde les états de la dernière communauté. Vous n'avez pas vu ça depuis longtemps. C'est une estime que le roi veut vous donner, l'estime de la grande souveraineté. C'est le sentiment que vous avez actuellement de l'alliance. C'est sur la pérennité de l'espoir. Avoir aussi la venue en Palestine de notre dernier peuple. Le peuple qui mène à la religion, toute la religion. C'est le corps sur la faveur d'Allah, des envoyés. C'est le grand roi de l'islam qui vous a fait redire pourquoi la maison avait besoin de son prometteur. Le prometteur de la maison est le mouvement vers la dernière réalité. Le peuple qui t'en souvient de ses façons de guider la pensée vers le dernier jour, le temps de la dernière orientation du peuple, la guider pour nous tous. Le sentiment que tu as sur le sens de la royauté et la victoire de nos communautés qui viennent au dernier imam. Avec notre volonté, nous renforcerons les bannières, nous mènerons à la conquête sur la terre du souverain de l'Isloire. Nous connaîtrons le peuple à la justice. De l'espoir, nous viendrons connaître quelle est la quantité du bien dans la religion. Nous conduirons aux sources de la vie. Nous mènerons à la justice l'équitable jugement. La communauté de l'au-delà et la vision du sage qui conquérit dans le monde les états de la dernière communauté. Vous n'avez pas vu ça depuis longtemps. C'est une estime que le roi veut vous donner. L'estime de la grande souveraineté. C'est le sentiment que vous avez actuellement de l'alliance. C'est sur la pérennité de l'espoir. Avoir aussi la venue en Palestine de notre dernier peuple. Le peuple qui mène à la religion, toute la religion. C'est le corps sur la faveur d'Allah, des envoyés. C'est le grand roi de l'islam qui vous a fait redire pourquoi la maison avait besoin de son prometteur. Le prometteur de la maison est le mouvement vers la dernière réalité. Le peuple qui t'en souvient de ses façons de guider la pensée vers le dernier jour, le temps de la dernière orientation du peuple, la guider pour nous tous, le sentiment que tu as sur le sens de la royauté et la victoire de nos communautés qui viennent au dernier imam. Avec notre volonté, nous renforcerons les bannières, nous mènerons à la conquête sur la terre du souverain de l'Isloire. Nous connaîtrons le peuple à la justice,
de l'espoir. Nous viendrons connaître quelle est la quantité du bien dans la religion. Nous conduirons aux sources de la vie. Nous mènerons à la justice l'équitable jugement.